j'ai eu la chance de déjà faire du parapente ici il y a quelques années justement, sur le glacier. J'ai fait saut en parachute, j'ai aussi fait un saut élastique et c'est des sensations très fortes qui me plaisent beaucoup. On monte 4000 mètres ici en haut, en gros 45 secondes de chute libre, c'est ce qu'il faut compter. Une vitesse approximative, comme j'ai vu sur la pub au service, on est à peu près aussi à 220, c'est à peu près la même chose. Tu vas te retrouver dans cette position-là, en chute libre, devant moi. Et puis là, on va donner une tape sur les épaules et simplement, tu sors les bras. Je sais qu'une fois dans l'avion et au moment de sauter, on peut devenir très nerveux. En tout cas, voilà, la nervosité monte. Vous êtes plus nerveux au début d'un match ou au début d'un saut? Ça dépend. Mais c'est clair que monter dans l'avion aujourd'hui, je pense que je vais être bien nerveux, ça c'est sûr. Mais c'est aussi quelque chose qui me plaît. C'est une nervosité qui est très bonne. Pour nous, le but, c'est qu'il ait un beau saut. C'est pas notre saut, c'est le sien. Donc on va tout faire pour qu'il soit bien, pour qu'il soit calme, pour qu'il soit détendu. Si tu es détendu et que tu as confiance en moi, le saut va bien se passer et tu seras pas malade. Une montée de pression assez incroyable que j'adore et vraiment j'ai bien kiffé tout ça. Une fois qu'on va sauter, on dit plus rien et on se concentre bien, en tout cas moi personnellement. Après la descente est juste hallucinante.